Je sais pas si tu connais Jackson Pollock. Oui. On dit toujours que c'est des accidents. Jackson Pollock dit que ce n'est surtout pas des accidents, tu vois. Parce que Jackson Pollock, au fur et à mesure qu'il trace ses lignes, par ses dégoulinures, là, il vit tellement intensément, il est tellement dedans, dans sa peinture, que c'est plus les accidents, c'est le vécu passe à travers son geste de peindre. C'est un peu ça aussi avec Arthur Merstorp, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais une trace de peinture, c'est vécu intensément, tu vois, dans les profondeurs, donc c'est pas un hasard. Maar terwijl rechtsonder en kinderen heb ik aan mijn schooltijd gedacht, als een goede schoolcollega van mij een beeld gemaakt had dat mij überhaupt niet gefallen had. Luego he seguido bajando y había mucho más negro y había formas rectas y formas también ins Hässliche gezogen. First impression was, oh, here we go, an abstract work. What? Bien, pour moi, comme ma démarche artistique, c'était de révéler des contenus de l'inconscient, au point de départ, c'était des contenus de l'inconscient personnel. Tu vas me demander pourquoi je dis ça, mais... Parce que je payais toujours un personnage, à la fois sur une toile, et les contenus ne concernaient qu'une seule personne. C'était les contenus d'un seul individu, c'était individuel, un peu comme le totem individuel. Après, j'ai voulu aller au-delà. De ce qui était individuel pour avoir quelque chose de plus universel. Et déjà en 1994, je voulais peindre quelque chose qui, dont la portée était beaucoup plus vaste et plus grande, mais j'y arrivais pas et je suis arrivée en 1999 avec Arthur Merstorp. Pourquoi? Parce que je prends ça au sérieux. Arthur Merstorp, c'est des contenus qui viennent des profondeurs. Dans l'inconscient, dans les profondeurs. C'est la vérité, il n'y a pas de mensonge à ce niveau-là. On dévalorise l'expérience, la valeur de l'expérience comme telle, que on pense que nos réflexions, nos conceptions, toutes nos activités intellectuelles possèdent une plus grande valeur que juste d'avoir des expériences. L'expérience comme telle, qu'est-ce que je vois devant la musique, qu'est-ce que j'attends, qui est préverbal. Et c'est là où on explore l'expérience pour l'expérience. Et ça, c'est un enrichissement de la vie. Et c'est la base... En fait, j'ai cherché à avoir un sens. Mais c'est quoi? Comme j'en trouvais pas, j'étais un peu étonnée. Mais après, j'ai abandonné. Enfin, je me suis dit, bah, c'est pas obligé qu'il y ait un sens intellectuel, quoi. C'est comme si la conscience s'inversait. Je ne suis plus consciente de ce que je fais, mais je suis consciente de ce qui, de certains contenus que je porte en moi et que je transpose sur la toile. C'est très difficile à expliquer parce qu'au moment où ça se passe, je peux pas dire, c'est un état modifié de conscience. Je ne suis pas très consciente non plus de ce qui se passe. Tu comprends? Ça dépend aussi de la société. Okay. C'est très intéressant parce que cette conversation. Ça fait entre une personne québécoise et entre une personne mexicaine que la manière de penser comme telle, c'est totalement différent. Nous sommes venus de différentes sociétés, de différentes cultures. Qui concerne l'humanité. Et nous sommes aussi au Montréal pour faire cette expérience. Et je crois que Arthur Merstorp se rapporte que c'est très intéressant à ce plan. Si on ne sait pas vraiment pour une personne québécoise, qu'est-ce que c'est? Et Arthur Merstorp, en fait, en résumé, c'est comme une alerte.
Bah, il faut, je pense qu'il faut se pencher sur ces lectures. On est dans une période assez dangereuse pour l'humanité. Mais par contre, ça a été écarté complètement de la psychologie actuelle. On devrait voir Jung, c'est ce qui se passe plus clairement. On devrait devenir conscient. C'est à part, quoi. Personne n'y touche, quoi. Les étudiants de psycho. On se perd dans notre propre obscurité. À moins que je te dis, tu fasses la démarche toi-même. Donc, il faut faire appel à la lumière. Moi, ça m'intéresserait. Bon, là, j'ai pas trop le temps, mais... Qui va nous sauver. J'aimerais bien approfondir cette histoire d'inconscient collectif. Je comprenais pas vraiment c'est quoi qui se passait, puis en plus il y avait comme une petite puce. Moi dans ma tête c'était une petite puce en bas dans le troisième panneau. C'était une bruit de forme, mais oui, moi pour moi c'était un humain, était fragmenté, et avec la main et un oui. Van grootheid, wat kan laten nadenken over waar we mee bezig zijn. Ça, je sais pas. Pourtant, je l'ai présenté assez bien devant une vingtaine de personnes sûrement. Je crois qu'ils l'ont compris, qu'ils ont comprise, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment compris dans les profondeurs? On peut le comprendre au niveau de la raison, mais est-ce qu'on le comprend intérieurement? Je crois que non. Je crois que non. Donc, moi, j'ai toujours, quand je fais un personnage, je le sais que je le connais au fond. Je le connais, mais comme il est au fond, je peux pas le voir. Donc, en entrant dans les profondeurs de l'inconscient, je transpose l'image sur la toile. Et là, je le reconnais. C'est comme ça que je le sais. Et le tableau doit avoir une existence réelle. C'est-à-dire, le personnage doit avoir une existence réelle. Pour moi, Piéton, c'est un être qui vit sans moi, sur le tableau. C'est un être réel. Et Dieu aussi. Donc, c'est ça les critères. C'est-à-dire que ça doit contenir une vérité, une existence réelle, qui était cachée auparavant et qu'on peut voir sur la toile. Par la suite. Est-ce que j'ai bien répondu? Et après, c'est une confusion totale parce que ce n'est pas facile de faire partout, une définition. En fait. Partout, je voyais des extraterrestres partout. Mais la petite main en bas. Ouais, à un moment, il y avait une main. Oui. Mais ça, nous pouvons dire que, à cause de la grandeur de la toile, le contraste avec une grandeur, puis il y avait quand même. Alors, oui, j'aimais beaucoup que c'est le chemin qui s'en va, qui ne montre pas tout. Et on peut.